Obsèques de Dominique Bernard. Pourquoi n'a-t-on pas vu Emmanuel et Brigitte Macron à la cérémonie? Ce jeudi 19 octobre, Emmanuel Macron, Brigitte Macron et Gabriel Attal étaient présents à Arras, pour les obsèques de Dominique Bernard, le professeur tué devant son collège-lycée par un ancien élève radicalisé. Pourtant, leur entrée dans la cathédrale n'a pas été filmée, volontairement. Depuis quelques jours, les mots manquent pour décrire l'horreur dans laquelle ont été plongés le corps enseignant et les élèves du collège-lycée Gambetta d'Arras. Le 13 octobre, un ancien élève radicalisé s'est introduit dans l'établissement, poignardant Dominique Bernard, professeur de lettres qui a perdu la vie en s'interposant pour l'arrêter. Depuis, elle le accent aigu motion est vive, notamment au sein de la classe politique. Selon un décret paru ce mercredi 18 octobre au Journal officiel, le professeur de 57 ans a été fait chevalier de la Légion d'honneur à titre posthume, à la veille de ses obsèques, qui ont lieu ce jeudi, en la cathédrale d'Arras. Je sais ce que c'est que d'appartenir à une communauté éducative. Je sais combien ils souffrent. Je veux leur dire combien on est avec eux. Les parents aussi se manifestent. Nous sommes une communauté. Les profs, les élèves, les personnels, avait expliqué une Brigitte Macron profondément touchée par les événements. Puis de poursuivre, notre profession a un sens énorme en ce moment. Nous avons la responsabilité des élèves, c'est à l'école que tout se structure et que tout arrive. Emmanuel Macron, Brigitte Macron et Gabriel Attal n'ont pas été filmés. Ce jeudi, la première dame était présente à Arras, aux côtés de son mari, pour rendre hommage à Dominique Bernard. Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation, avait lui aussi fait le déplacement. Les nombreux anonymes présents sous la pluie, devant la cathédrale pour les obsèques, n'ont pas vu arriver le couple présidentiel et Gabriel Attal, qui ont également échappé aux caméras à leur entrée dans la cathédrale. Ce n'est pas du tout le fruit du hasard, puisque la discrétion était de mise, pour respecter le deuil de la famille. Discrétion dans les mots, puisque le président ne prendra pas la parole, discrétion aussi dans les images, vous ne verrez sans doute pas, et on n'a pas vu tout à l'heure l'arrivée de Gabriel Attal, qui est déjà à l'intérieur de la cathédrale. On ne verra pas le président de la République et son épouse arriver. C'est un choix mûrement réfléchi, souhaité par la famille, a expliqué l'éditorialiste politique Laurent Noumen. La pudeur s'impose, en ce jour de deuil pour la famille de Dominique Bernard.